même si là forcément les avant chilènes ont tenté de ressortir immédiatement. L'interception de Maxime Sivis, allez sur son pied droit pour décaler à droite encore, un cran supplémentaire, le ballon est toujours dans la surface, côté pour la volée de Jégous. De deux côtés. Ouais. Et qui c'est qui va se charger, c'est Mlave, la parade là. Le centre de Janès pour trouver Alexis Ebrard peut-être, il y a peut-être un coup à jouer là pour les Concarnois, Janès, Lavigne encore, il y a Abdelmoula en retrait, la frappe d'Abdelmoula sur la barre transversale. De Lebri, hop, la perte de balle de Lebri pour Lavigne dans la surface de réparation avec Abdelmoula, il peut décaler Jégous, côté gauche, voilà qui fait la frappe de Jégous. Une nouvelle opportunité pour les Concarnois, une nouvelle fois. Lab pour Michael Niller, elles sont bien revenues finalement les Concarnois. Bassa, le centre, deuxième poteau, la tête et encore la détente là. Denzo Basilio sur cette tête d'Hicham Lab. Et la mi-temps qui est sifflé sur ce score donc de 0 à 0 entre l'US Concarneau et l'US Avranches. Cette situation, ce sera peut-être sur ce corner. Allez, sur la tête de Sarah, allez. Allez, bien joué. Oui. Sivis, la frappe de Sivis. Sivis face à Diarra, excellente défense de Diarra qui face à 3 contre 1. Penalty. Il y a deux saisons de cela. Guillaume Jégous, pied gauche, contre-pied parfait. Et l'US Concarneau double la mise. 2-0 en faveur des Bretons face aux Normands. Concarneau. Même 2-0 avec Lobry dans la surface de réparation, le maître à jouer de cette formation avant-chinoise. Pierre Magnon sur son pied gauche, puis sur son pied droit, la frappe de Magnon. Oh, la barre qui repousse ce ballon, c'est pas fini d'ailleurs. Position de hors-jeu. Quelle occasion pour Avranches de réduire l'écart avec cette frappe de Pierre Magnon. Allez, corner qui est frappé de la droite vers la gauche par la formation normande. Et en l'occurrence, ce sera un deuxième poteau pour Bonenfant qui a suivi. Oh, qui trouve le petit filet malheureux, Rémi Bonenfant. Et pour retrouver Barnauer, le centre de quel bon ballon vers la tête d'Abdelmoula, qui revient à mériter d'être récompensé d'un but à son tour. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 2-0 en faveur de Concarneau.